Le son du 15 septembre 1946. L'ange Azarias dit: comme créature particulière ou comme société unique en un unique organisme, le chrétien ou les chrétiens trouvent tout secours du fait qu'ils sont protégés auprès du Seigneur éternel par son Fils bien-aimé. Lorsqu'une personne se dirige vers une autre pour la saluer, pour lui faire du bien, pour lui adresser des reproches ou seulement pour la connaître, elle n'en regarde pas les mains ou les pieds, ni les épaules ni le ventre, mais elle fixe son visage. De même, lorsque votre Père se tourne en entendant vos supplications, ou qu'il s'indigne de vos péchés, ou qu'il vous observe pour connaître vos actes et vos pensées, que regarde-t-il d'abord en vous? Le visage de celui qui est sa complaisance et qui resplendit dans l'esprit des bons, mais qui reste aussi sur les membres malades de ce grand corps qu'est l'Église de tous les chrétiens catholiques. La première chose qu'il rencontre, c'est le regard de son Christ. Alors son indignation s'apaise, tandis que sa miséricorde s'accroît par justice et par jubilation. Justice, le Christ ayant déjà expié les péchés de tous les hommes, qui ensuite retournent au Seigneur, repentis, ou pour lesquels un autre chrétien prie et souffre en union avec le Christ. Et jubilation, parce que, en tout homme juste qui implore le Seigneur, il entend de nouveau la voix de son suppliant bien-aimé, et il est heureux d'accorder des grâces en son nom. Voilà pourquoi la liturgie utilise la formule « par Jésus-Christ notre Seigneur ». Tout bien nous arrive par lui, la grande victime qui, par l'effusion de son sang et par la plénitude de sa souffrance, a forcé les digues de la miséricorde et de l'amour, fermé pour limiter les sentiments de Dieu, violant ce que Dieu s'était fait à lui-même sous l'indignation de la faute originelle. Tout s'obtient par le Christ, car le Père ne sait pas rester sévère si c'est le Christ, chef de l'Église, qui lève des yeux suppliants vers lui. Sachant cela, vous pouvez prier avec des paroles pleines de sécurité pour cette Église qui a tellement besoin de prières pour être forte, unie et sainte. L'heure de Satan frappe comme une tempête contre les rivages signés de la croix. Une promesse est comme un rocher de protection pour défendre l'Église apostolique. C'est l'illustration de cette parole de Jésus. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Mais observez les paroles qui accompagnent cette promesse. Elle rappelle une qualité de l'Église et suscite une autre comparaison évangélique. Elles disent « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » C'est une construction en pierre, donc solide, non pas en boue molle que le vent dessèche et disperse ou que l'eau dissout, non pas en mortier que le temps détériore, pas non plus en brique qu'un pic introduit entre deux peut déchausser, mais en pierre. Une seule pierre, puissante, inébranlable, inattaquable, solide, sûre. Vous souvenez-vous de Jean-Baptiste? Quel est l'éloge que Jésus a fait à son précurseur? Le voici. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Jean le précurseur n'était pas un roseau que le vent secoue à droite et à gauche, que la main d'un enfant ou le passage d'un animal peut briser. Il était fort jusqu'à la violence, cette violence avec laquelle on défend et on conquiert le royaume des cieux. Jean, précurseur du christianisme, devait être cette force que rien ne peut fêler ni abattre. S'il avait été un faible que n'importe qui peut jeter à terre, comment aurait-il pu préparer les voies du Seigneur? Or, l'Église militante
N'est-elle pas celle qui précède l'Église triomphante et éternelle, et qui prépare le grand triomphe de l'agneau dans la Jérusalem céleste? Comment l'épouse pourrait-elle se vêtir d'une étoffe chatoyante pour ses noces sans larmes, si, de reine, elle devenait esclave, si devant les vagues de Satan elle se dépouillait de ses membres comme les feuilles arrachées par les tourbillons, ou si elle s'effritait comme une maison qui croule? Horreur, horreur sans nom. Mais celui qui a vu le ciel et les derniers temps l'écrit. Voici venir un grand dragon rouge feu, sa queue, qui balayait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Priez, chrétiens, priez pour qu'il n'y en ait pas plus d'un tiers qui tombe emporté par Satan, par ses sept têtes maudites, par ses armes infernales au pouvoir décuplé, par son œuvre diabolique de serpent. Priez, priez pour que l'organisme des croyants, l'Église militante, demeure pierre et ne devienne pas boue, mortier ou brique. Élevez autour de l'Église la barrière de votre prière, parce que l'heure est véritablement terrible, plus terrible que l'heure des ténèbres à laquelle fut immolé le Christ. Car, face à la rancœur d'un monde soumis à Satan, se dressait alors le Christ contre lequel la domination était relative, son pouvoir et sa sainteté étant sans mesure. Mais en cette heure-ci, longue et toujours plus ténébreuse, le monde soumis à Satan qui se dresse contre vous, les chrétiens, et contre l'Église, n'a devant lui que des hommes, c'est-à-dire des êtres, comme dit l'oraison, sujets à la nature humaine mortelle, laquelle, sans l'aide de Dieu, succombe. Et elle succombe d'autant plus qu'elle est déjà infectée et ramollie par les vapeurs du monde et de sa science. Priez en désignant au Père le chef mystique de l'Église, afin que, par respect pour le visage de son Christ, le Très-Haut intervienne pour empêcher les balafres qu'il subit déjà le Vendredi Saint, figure de celle qui, au cours des siècles, allait être faite avec toujours plus de violence contre la tête et le corps mystique du Christ. Et pour prier avec mérite, priez comme des justes, c'est-à-dire, comme dit le bienheureux Paul, progresser selon l'esprit, et non en satisfaisant les désirs de la chair. La partie élue, c'est l'esprit. Donnez-lui la priorité, donnez-lui la royauté. La chair est servante, l'esprit est roi. La ressemblance au Créateur se dessine dans votre nature. En effet, elle vous rend semblable à votre divin frère, au premier-né des vivants, en faisant de l'homme l'anneau qui unit les perfections de la création animale, végétale et minérale, aux magnifiques créations angéliques. De plus, elle vous donne une partie charnelle que le Christ lui-même assuma pour vous racheter. Donc, si la chair, cette servante, devenait abusivement reine, votre nature perdrait sa ressemblance avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui se manifeste par l'immortalité spirituelle, par la faculté de vous unir à Jésus, en accomplissant dans votre chair ce qui manque à la passion du Christ, enfin par l'intelligence éclairée par les vertus et par les sept dons de l'Esprit. Vous deviendriez alors semblable aux animaux qui ne sont que chair et qui, une fois leur respiration arrêtée, ne sont plus rien dans l'éternité. Dans ce continuel désaccord entre la chair et l'esprit qui est votre champ de bataille et de victoire, soyez ferme à procurer à l'esprit toutes les armes nécessaires pour qu'il soit le justicier de la chair. Sainte justice qui blesse, dompte, brise, pour donner un jour sa gloire éternelle à la matière qui, à présent, ne blesse que pour réclamer sa guérison.
saint combat qui vous libère des rigueurs de la loi. En effet, celui qui est conduit par l'esprit ne pêche pas de manière volontaire et préméditée, mais, même s'il cède à un assaut imprévu de la matière, il se relève aussitôt. Alors sa chute n'est plus un mal, mais une bonne chose, parce qu'elle signe une victoire sur le découragement, sur le manque de confiance et sur l'orgueil. C'est le mal qui sert au bien contre sa volonté. Le mal est une liberté enchaînée, souvenez-vous-en toujours. Le mal peut encore nuire, mais pas au-delà d'une certaine limite. Sa présence, son astuce possible, son inlassable attention à blesser, servent à vous maintenir vigilant, à vous faire invoquer l'aide de Dieu et à vous obtenir des couronnes de victoire. Dieu est bonté. Il transforme tout en une chose bonne. Si vraiment Satan avait été invincible pour les hommes, Dieu n'aurait pas laissé cette chose mauvaise. Mais, dans sa mauvaise perfection, Satan sert à la glorification des héros de l'esprit, des vrais fidèles du Seigneur. Pour ces héros de l'esprit, la loi de la rigueur n'existe plus. De même que leur volonté repousse les faiblesses de la chair, la volonté et la justice divine annulent les faiblesses involontaires, aussitôt réparées par un désir d'amour, et elles ouvrent les portes du royaume aux fils fidèles. Elles les ouvrent alors que leur séjour terrestre dure encore, en prodiguant ces dons qui sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Ces vertus se trouvaient chez l'homme parfait, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'étant Dieu, quand il prit une chair pour se faire semblable à vous, il voulut donner à son esprit ses dons et ses vertus pour pouvoir résister à Satan et au monde et rester parfait aux yeux du Père et des hommes. Qui parmi vous peut me convaincre de péché? Oh, quelle paix de pouvoir dire cette phrase devant ses accusateurs, devant ses juges, devant la mort et devant Dieu. Cette divine phrase peut fleurir de façon lumineuse, douce. Elle inspire du respect à ceux qui l'entendent. Elle respire le calme et la sérénité dans la bouche de celui qui la prononce, comme en ceux qui ont cheminé selon l'Esprit. Pour ce faire, et à l'instar du Christ auquel ils appartiennent, ils ont crucifié leur chair dans ses vices et ses concupiscences. Alors, si vous utilisez votre esprit roi pour servir l'Esprit Saint, vous mériterez que l'ange du Seigneur vous sauve quand Satan et ses serviteurs, rendus trop furieux à cause de vos capacités de résistance, viendront à l'assaut. Ne craignez pas, douces âmes qui aimez le Seigneur jusqu'au sacrifice de vous-même et des joies même de Dieu, pourvu que le monde soit sauvé et que vienne le royaume de Dieu. Ne craignez pas. Vous avez compris la vérité qui a parlé. Vous avez cherché le royaume de Dieu plus que tout, et pas pour vous seulement, mais pour tous. Ce royaume est en vous. Il est déjà en vous. Cela seulement a de la valeur. Le reste vous sera donné par surcroît. Et même si cela ne vous était pas donné, parce que la guerre de Satan et des hommes l'aurait détruit à sa descente du ciel, ne craignez pas. C'est comme si vous aviez tout accompli, tout donné et tout reçu. Ceux à qui il manquera, ce qui doit être donné par surcroît, ce n'est pas vous, ce sont les autres. À qui ne veut pas recevoir, rien n'est donné. À qui voudrait recevoir, mais sans renoncer aux concupiscences et aux œuvres de la chair, c'est-à-dire autrement que par l'esprit, rien ne sera donné. Mais rien ni personne ne peut ravir les dons de l'esprit à ceux qui l'aiment de tout leur être, jusqu'au sacrifice.